C'est un interview culte de qui aujourd'hui? Bah de Nathalie. Et de Nathalie. Ok, c'est parti. C'est culte, l'agenda culturel est décalé. Moi j'aimerais bien que l'interview culte se passe dans une cuisine, mais une super cuisine. Très colorée. Très branchée. Chic et cher. Attends, regarde comme c'est beau. Waouh. Je vous présente Nathalie Penning. Son vrai métier c'est qu'elle est avocate, mais elle joue aussi. Moi je vous présente Nathalie Huffner, comédienne, metteuse en scène, directrice du théâtre La Toison d'Or. Voilà, ça va, c'est bon, stop. Je parle pas du reste? Non. Non? Non. D'accord. Nous sommes ici pour présenter une pièce de théâtre qui s'appelle Fish and Chips. On aurait pu dire macaroni au gratin, mais c'est quand même un tout petit peu moins glamour. On avait envie d'écrire une pièce qui se passe dans une émission de cuisine. C'est un contexte qui nous amusait. Et puis c'était aussi l'occasion de mettre côte à côte deux femmes qui se détestent et qui sont très méchantes l'une avec l'autre. Oui, enfin, c'est surtout Nathalie qui est méchante. Non, toi tu es très méchante. Oui, mais ça se voit moins. Non, tu es très méchante aussi. Ça se voit? Ah oui. Ah oui. Merci à Nathalie et Nathalie. Mise en scène par Alexis Gosselin, elles vous mitonneront entre sourire d'apparat et guerre de tranchées, une mixture délicieusement acide rehaussée d'un nuage de lac Elnett. Fish and Chips est à voir en avril et en mai à Bruxelles.